Vas-y. Et bonjour YouTube, nous voilà avec Bungie pour du Elden Ring en coop. Ça va bien se passer, ou je vais l'aider pour sa nouvelle run. Bien Jean sûr. Pépé est invoqué, c'est le nouveau système d'invoque. Oui, Lady Rosefield. Bonjour. Let's go. Hello, hello. Voilà, j'ai sorti mon meilleur cosplay de sorcière. Alors par contre sur PS5, j'ai rien compris de comment utiliser les emotes avec le motion, je sais pas quoi là. Alors le motion, en gros, il faut que tu restes appuyé sur triangle et que tu donnes une direction. Ah bon, voilà, je mais le ferai plus tard. Il faut setup la direction, quoi. Putain, j'ai pas beaucoup de soins. En attendant, je farmais le chevalier banni pour essayer d'avoir sa tenue et je n'ai eu que son casque. Donc je suis très déçu. Putain, et c'est la première fois que je joue avec une charge légère, c'est incroyable. Vas-y, vas-y. Il y a des endroits où je pourrais... De mémoire, il y a des endroits où je pourrais pas être sûr. Ça te rappelle rien ici, quand je te dis araignée? Non mais ça fait 100 heures... ça fait 2 ans. C'est assez reconnaissable, non? Oui, c'est vrai, oui, c'est... Non mais oui, d'accord. Bon, elle te parle pas, celle-ci? Oui, oui, oui. Hein? Ah, je fais pas beaucoup de dégâts. Oh. Bah alors... Ah putain, au secours. Bah tiens. Allez, mange tes morts. Oh là, elle donnerait en coop, c'est un autre jeu. Ils ont pas plus de vie parce qu'on est en coop justement? Si si si, tout à fait. Bah, là normalement elle devrait déjà être morte, je pense. C'est ce qui me semblait. Puis elle flinche pas. Oh oui. Tiens, vas-y, vas-y, encore. C'est bon, voilà, tiens. J'ai découvert les 5 coups sautés que j'utilisais jamais dans ma première run. Ah pourtant le coup sauté. Allez. Attends. Ah, qu'est-ce qui me tabasse derrière là? Qu'est-ce qu'il veut lui? Le qui... gueux. Ah. D'ailleurs, détail très drôle, genre vu que, évidemment, je sais que le... Tu sais, t'as un perso comme ça qui t'accueille au château, ce petit bâtard. Ouais. Et bah vu que je sais que c'est un petit bâtard, je l'ai tué dès le début. Ah oui, lui, je me souviens, mais qui dit de passer à gauche. Et du coup, il m'a... Exactement, et du coup, il m'a pas enfermé... Tu te fais pas enfermer dans la salle avec le chevalier, tu sais, le piège à con, là. Ouais, parce qu'en plus, il pique tes runes. Tu te fais enfermer. Wow. Mais oui. Mais je me fais contrer la gueule. Putain! Oh, la puissance de la force et de la dextérité. Let's go. Oh non, pas lui! Moi j'ai peur d'eux. Je les déteste. Ah, je peux pas ouvrir les portes. Attention derrière! Moi j'ai vu. Putain, j'ai déjà plus de potions, genre. J'en ai 3, mais. C'est bon, il flinch! Aïe! Oh, je vais crever. Oh, la moule! Allez, tiens! Ta posture là! Bim! Et par exemple, tu vois cet endroit-là, je l'avais jamais vu dans ma run. Et c'est là où t'as le truc mimétique, là. Oh. C'est le truc pour transformer en objet. Oh. J'ai jamais trouvé cette salle. Du coup, je n'ai jamais eu le voile mimétique, voilà, c'est ça. Oh. Tiens, on peut aller... Bah, je suis déjà allé par là, mais... Je suis que ton humble serviteur. Non, c'est bon. Hop. Voilà, bon. Le but, c'est de speedrun jusqu'à Godric. De retour vers l'araignée. Ok. Ici. Putain, j'avais oublié cette salle de dingue. Hop là. Bah, ça fait du bien de retourner aussi sur les zones de début de jeu. Hein. Ça permet de se Attends, rappeler non, à quel c'est point, là d'où on vient. Je crois qu'il faut aller par... Pardon. Ah mais je suis le body block en fait. Là, en gros c'est à gauche qu'on va devoir aller je pense. Et c'est la merde. Parce que tu sais c'est le... Oh quoi? Oh non, pitié, laissez-nous tranquille. T'inquiète pas, on le défonce. Non, moi je me fais tuer à chaque fois en 1v1. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut peut-être rien. Il peut peut-être être copain en vrai. Non. Je pense pas, non, il est en train de se préparer. Mais si, regarde, il s'en va. Ah non. Ah. Tu vois? Bon bah très bien. Merci. Tu vois, c'est un copain. Il a peut-être vu que c'était de la coop, ou alors il s'est dit merde, je suis tout seul, je me casse. Ah oui, voilà, donc moi... Oui. Là j'attendais parce que là on est... Là c'est la merde. Ils sont face ou dos à nous? Face. T'inquiète pas, je les contourne. Je fais diversion. Ah. Alors là il faut que je concours, je crois. Faut qu'on court jusqu'au bout. Aïe. Au secours! Non, je suis là, toi. T'inquiète. Ils sont deux contre moi! Mais du coup, la question c'est si je meurs, est-ce que mes runes elles restent ici ou est-ce qu'elles vont ailleurs? Je crois que tu les récupères chez toi, mais. Bah, s'il faut que j'aille les chercher là où je suis mort, tu vois. Bon, c'est bon, tu les défonces.
c'est vrai que je pourrais tenter aussi une autre arme que une arme force. On pourrait tenter un autre build, mais bon, là, je vais jouer l'épée de ma femme. Oula! Oula, oula, oula! Calmez-vous. Mais je peux pas activer les... J'ai hâte de faire un peu plus de dégâts quand même, parce que là... Tu m'étonnes. Ah ouais, quand même, ouais. T'as fait plus de dégâts que moi. Mais c'est parce que j'ai fait le truc sanglant, mais ça compte pas. Oh, joli. C'est vrai qu'on a le droit de faire... devant. C'est vrai qu'on a le droit de faire ça aussi. Ah, ça a pas marché. Je... Oh purée, regarde le loot derrière. Oh, mais y'a un truc incroyable. Là-bas. Attends, y'a un truc tout devant aussi, je crois, non? Attends, je ramasse tout. T'inquiète pas, je fais pas rien. Je sais plus qui est-ce que je regardais jouer la dernière fois et ça me triggerait de ouf parce qu'en fait la personne ne ramassait jamais quand elle tuait des gens ça... et j'étais en mode genre. Ah ouais, non, mais alors ça c'est illégal ça. Je suis en mode, mais non. Par pitié, ramasse. Tu vas ramasser, oui? Bon, je te suis, hein. Bah là j'ai pas encore fait, je crois que là, faudra faire gaffe parce qu'il y a un troll ou je sais pas quoi de mémoire. Qu'est-ce qui est cool ce château? Vas-y, je m'occupe du chien. Aïe, le chien est stun. Attention. Ah, les bons props qui te bloquent dans le dos. Oh merde. Non mais c'est qu'il est Oh mais ça. C'est bon, je le clinche. Vas-y, vas-y. T'as, j'avoue, tu sautes partout maintenant. Hein. En fait, c'est parce que ça, c'est ça qui les stun à force. Fallait lui faire péter quoi ça. Ah. Bon. T'avais des pierres de forge là pour tes armes, ouais. Attends, oh, il y a un truc ici, une peinture, j'avais oublié. Il y a des mobs surtout ici, viens. J'arrive, j'arrive. S'il y a des mobs, sympa. On va peut-être gratter un ou deux level up. Ouais, je crois qu'il y a Il y a personne. Et pourtant, je suis. J'étais sûr qu'il y avait un des ennemis ici caché, mais non. Regarde, observe la puissance de mon épée. Ah, voilà, c'est tout. C'est vrai qu'elle est très belle. J'ai pas l'intelligence pour m'en servir. Je la trouve très jolie, mais moi, c'est le katana sanglant que je veux. J'ai pas l'intelligence. Ah, y'a un truc là-bas. Alors, attends, y'a un feu. Feu, à droite. Est-ce que moi, je peux utiliser un feu ou je pars si j'utilise le feu? Ah, moi, je peux pas je utiliser... Je crois qu'il y a peu moi qui peux interagir moi, avec je peux le pas feu. Utiliser le feu, ouais. Au moins, ça fera un point de... Bon, ouais, ça va vers les faire respawn, mais... Je nous reset pour avoir un petit peu de vie. Oh, non, je peux pas. On peut pas reset, je peux juste l'activer. Eh ouais, parce qu'on est là. Après, je peux partir si tu veux, je reviens après. Non, bah, on va essayer de tuer. C'est juste que là, moi, il me reste juste une potion. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a ici. Je peux... Ah, je sais pas si je peux peut-être interagir avec le truc. Ah, peut-être, je te laisserai tester la prochaine fois. Ouais, t'inquiète, là, c'est pas les mêmes. Du coup, ça va le casque avec la PS5, genre, parce que ouais, j'ai mis le casque du PC normalement, donc non, c'est comme si c'était sur PC. Franchement, on entend bien. Bah, c'est nouveau, genre, ils ont mis Discord sur la PS5, je me suis dit, bah tiens, autant en tester, quoi. Et ça avait l'air pas dégueu. Non, je réponds juste à des messages, je te suis. T'inquiète, tiens, il y a un truc là après. Ah! J'entends un gling gling. Ouais. Il est où? T'as un petit scarabée, à mon avis, il est de l'autre côté là. Il doit être de l'autre côté à droite, je te laisse passer devant pour pas le trigger. Ah, je reconnais ici, ok. Oh, là c'est les pots. Pareil, j'ai voulu aller dans les mines. Oh. Et je pense que je vais attendre. Parce que genre, j'ai pas d'arme contendante. Putain, mais je rebondis contre eux. Bah ils sont solides, hein. Au. Et bim. Bien joué. Ce serait bien qu'on les tue tous pour récupérer un petit peu de... Ah, il est là le truc, il en bat là, si jamais. Ouais, ce qui est fou, c'est que mon arme rebondit sur eux. Je peux pas les enchaîner. Bah c'est parce qu'ils sont, ouais... J'ai la même chose, c'est parce qu'on a du tranchant. Quel beau bruit! Quelle percussion! C'était incroyable.
Pourquoi est-ce qu'un pot fissuré s'est violé comme si c'était important, genre? Bah c'est important, ah, c'est pour faire des pots. Il est où? Ah, c'est bien. Finito. Finito pipo. Dommage, c'est un truc que je n'utiliserai jamais. Putain, mais il y a encore un autre feu? Il y en a partout ici. Ouais, en vrai, ils sont sympas pour le feu. Je me souvenais plus qu'il y en avait autant. Ah, mais si, regarde, c'est déjà la porte du bas, c'est vrai. Hmm. Bah, il est là, monsieur Godric. Est-ce que tu veux me dé. Est-ce que je m'en vais? Est-ce que tu reviens? Parce que là, il y a un nouveau truc d'invocation là-bas. Je pense que, genre, le. Godric, j'essaierai de le faire un peu tout seul, mais là, par exemple, tu vois, on peut clear le milieu. Ok. Bah, comme genre, tu te peux suivre, si jamais tu veux tenter Godric. Bah pourquoi pas, c'est parce que genre, vu que lui, je me souviens que je l'aimais bien. Je me suis dit, ça peut être sympa de le... No problemo. Aïe. Moi j'ai déjà plus de vie. J'ai tapé c'est l'expire. Bon. Nickel. C'est juste, c'est dommage qu'on régène pas de... De potions, parce que là, genre en mode, bah, t'as plus de potions, t'as plus de potions, quoi. Oh, il y a une graine. Ça, tu sais à quoi ça sert? T'as une magnifique bulle de protection, en tout cas. Ça, non. C'est la fiole. Genre, t'en as partout dans le jeu, et j'ai l'impression que ça sert jamais à rien. Et de mémoire, je les ai jamais utilisées. Je sais pas si c'est pas du PVP, ça, du coup. Parce que j'ai vu qu'ils avaient rajouté dans avec le DLC un mode, genre, colisé, je crois. Ah non, c'était pas dans le DLC, ça, c'est pas un moment que ça existe. Ah ouais? Ah ouais, ouais, j'avais ouais. Jamais vu. C'est peut-être parce que je déteste les gens et que je joue jamais en multi. C'est possible. Mais oui, Colisée, bah de toute façon, c'était déjà dans le jeu de base. T'en as un peu partout. T'en as en Khalid de Colisée. Ah merde, je t'ai perdu. Je suis là, je suis avec. Je vois sur la boussole, j'allais te chercher. PNJ. Ah, tu peux pas me louper, je brille comme une boule de Noël. Alors. C'est vrai. Ah oui, c'est elle avec son faucon, justement. Je l'aime bien, elle, ouais. Ah, elle est sympa. Si là-bas, je voulais lui ramener son faucon, mais elle a jamais voulu le récupérer. C'est vrai. Ah oui, c'est lui. Ah, c'est elle qui te donne le faucon de tempête. Ouais. Moi, je suis dès qu'on ait pas une invoque de loup plus puissante que celle du début, parce que j'aimais bien les loups. Y a pas de loup? Parce que ça, les trois... Bah, tu sais, y a ceux du début, là, que Rani, elle te donne, c'est ceux que j'ai, les trois loups. Mais ils puent la merde, quoi. Donc, même quand tu les améliores, ils sont pas... Ils sont pas ouf. Oula. Eux, c'est des petites merdes, je crois. Alors, attends, j'arrive. Ouais, c'est les trucs de feu, putain. Saloperie! Tant que tu te fais casser la gueule. Ah oui, il faut qu'on lance flamme. C'est comme le reste, ça meurt. Putain, ce gameplay sauté. On meurt, on l'a dit. C'est que des attaques sautées, quoi. Oh, bien joué, ça. Allez, hop. Attention, il y a un deuxième faucon qui arrive. Eux, c'est vraiment les pires. Ça saute de partout. Écoute, j'ai pas de grappin, mais je joue à Sekiro comme je peux, écoute. Putain, c'est vrai, ouais. Attends, y'a rien là? C'est vrai que tu sautes quasiment aussi haut. Ah oui, là on est de retour ici. Ah, y'a des objets là. Attends, je suis en hauteur juste à droite. Joli. Merci. Et tu joues pas à deux mains du coup? Tu joues à une main? En fait, justement, à deux mains, je trouve ça trop lourd pour le peu de dégâts que ça fait en plus. Genre. En fait, je préfère avoir un truc plus rapide, quitte à faire un peu moins de dégâts. Parce que ouais, demain, la différence, genre, tu vois... Regarde, ça, c'est le coup. Ah, merde. Ouais, non, même la grande épée a du coup un moveset plus rapide à une main. Regarde. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Alors, est-ce qu'on a fait ici? Bah oui, on est revenu là. Mais du coup, faut remonter, je pense. Ah ouais, du coup on a pareil, j'ai un... En vrai, non, on a quasiment fini. Non, il y avait un endroit, je sais pas si tu te souviens comment y aller. Tu sais, avec le poulpe noir de la mort, là. Ah ouais, non, là je pourrais pas t'sais, dire. Tu sais, c'est là. Tout en bas. Bah, c'est genre, pas là-bas, en face, là,
Je sais que c'est un endroit genre où tu le vois quand tu tombes d'une falaise. Mais je crois qu'il faut retourner peut-être près du. Oula, putain, j'ai failli sauter. Si, là, tu peux descendre, là, je suis sûr que ça passe. Non, par contre, ça sert à rien, y'a ah, rien. Ah, du coup, ouais. Ah, mais si, ah, parce ouais que tu descends, si, si, regarde. Pourquoi y aurait tout un chemin pour rien. J'y crois. Attends. Ah non, ouais, c'est bon. Si, si, ça passe. T'es. Oui, je suis encore en vie. Attends, mais comment mais moi, et j'ai ensuite, plus de potions, par contre. Hein. Et ensuite, tu passes par là. Hop. Oh putain. Ah, oui, c'est vrai. Et ensuite, tu vas à gauche, là. Hop. Mais sache que là, je meurs à un seul coup. Hein. Attends, vas-y, passe, parce que là, on se fait collision. Eh oui, il est par là-bas, de mémoire. Il y a peut-être un chemin plus rentable, mais... Bah, de mémoire, je sais qu'une fois, j'étais tombé, et je crois que c'est fait exprès que tu tombes là, et tu le vois, en fait, en mourant. Oh non, les rats. C'est les rats, c'est les rats. J'ai que 2 PV, hein, donc bon courage. Oh ouais, t'inquiète. Attends, je sais pas... Non, je crois pas avoir du soin de groupe. Et là, je crève. On n'est pas dans mon store en temps, malheureusement. Oh merde, y'a la maman. Bon, je vais bien finir les... Ah oh bah là, je me fais tuer si j'avance. Hein. Dit-elle en lui sautant dessus. Mais de dos. Attends, j'ai plus tendu. Aïe. Ah voilà, ça je peux le faire. Regarde, on a tué un groupe, il peut pas nous donner une potion, genre. Alors là, si c'est tu veux, il y a... Sympa, hein. Mais lui, je crois que c'est un bleu, il redonne de la mana. Fais voir. Oh. Oh, il est nul. Ah non, c'est un cristal. Il donne peut-être des pierres de forge. Non, ça va être de la mana. Ah non, il a donné une invocation. Très okay. Utile pour ce que je veux faire. Vas-y, nargue-moi. Il me reste une. Tu fais l'éclaireur. Hein. Ennemi est-ce fort droit c'est... devant. Là, il y a un boss. Oh non. Oh, bah, ah bah super, j'ai 2 PV. Bah c'est, let's go, de toute façon on meurt et puis on y revient. Non ? J'ai 12 000. Mais de toute façon on peut pas remonter. Pour... Bon bah... Vas-y, passe devant. Adieu. Non mais tu vas voir, ça va pas être un... Regarde, y'a pas de boss. Vraiment, je prends un coup, boss, je suis en fait. Regarde, y'a pas de boss. Non, en plus c'est eux, c'est lui en plus. Putain. Bah c'est fini hein. Mais non, lui il est simple, faut juste esquiver. Non mais... C'est comme Monster Hunter. Ah. Le one shot. J'avais prévenu que j'avais... J'avais 2 PV. Attends, je suis encore dedans, je peux peut-être l'avoir. Ah, tu vas te faire éjecter en fait. Ouais, je me fais éjecter. Incroyable. Oh non, putain, j'avais 12 000, ça veut dire qu'il faut retourner forcément là-bas pour récupérer mes runes. Ah, t'inquiète, je reviens vers toi. Est-ce que du coup, faut que je refasse une marque d'invocation? Toi, oui. Je sais plus comment ça se passe. Bah, je refais une marque d'invoque alors, à côté de la statue. Cellule isolée? Bah, celle. Parce que là, moi, ça m'a re-TP à la cellule isolée du coup. Ah, ah non, alors je suis pas à la cellule isolée, attends. Jay. Ah bah attends, il y a une marque ici, mais c'est pas toi? Bah regarde, mais je pense pas. Ah non, c'est... Ah, bah, c'est... ah bah non, c'est... Ah, tu peux invoquer la meuf. Ah oui, ici tu peux. Pour ouais. Le boss. T'es où là? Putain, j'avais jamais vu. Bah je suis à... Mais du coup, est-ce que t'es à côté de la statuette ou est-ce que t'es devant le truc fermé? En fait, y a pas de statuette, je suis devant le Godric, le point de grâce qu'on okay. A débloqué bah, avant. Regarde si moi je suis affiché là. Alors... Non. Non, c'est pas là, si je fais pas. Ça. Il faut peut-être que tu réutilises un doigt ou alors que t'ailles à la statuette. Au pire, je retourne au TP où t'avais mis ta marque. Pire. Non, non, mais là j'ai bougé la marque, c'est bon. Mais va à la statue ah. À gauche. Attends. Mais j'ai pas de. Ok, donc question bah, mais pourquoi je me suis TP là? Mais t'es à quel site de grâce? Moi je suis à cellule isolée et en face de la cellule isolée t'as un petit couloir et t'as une statuette pour les invocations. Bah attends je vais regarder parce que j'ai pas vu. Couloir. Quand tu sors à droite t'as la zone du boss et en face t'as une ouverture. Oui. Et là au bout ah, normalement à droite okay. T'as une statue. Ouais. Ok je vois. Alors je sais pas si ça. Je sais pas si ça a marché. En tout cas, j'ai activé la statue. Est-ce qu'il ouais. Faut que je refasse un remède? Normalement, non. Bah, je pense que je vais devoir. Parce que je vois rien. Alors, attends. J'en réutilise un, bouge pas. Si, je crois que quand tu meurs, t'es obligé d'en réutiliser parce que là, je te vois. T'arrives. Comment ça, tu me vois?
Je t'invoque. Ah, tu m'invoques. Bah, j'ai dû réutiliser un remède pour te revoir. Et t'en as encore combien des remèdes, oui. là? Deux. Mais je pourrais peut-être t'en filer. Je crois que je sais plus si on peut se filer des objets. Bah, en fait, tu peux les craft, je crois. Genre, tu vois, quand je fais fabriquer, je peux en fabriquer, tu vois. Mais là, je peux en fabriquer, genre... Ah, je peux en faire, ça va, j'en ai refait un petit peu. Attends, je vais voir si je peux t'en donner. Parce que moi, j'en ai vraiment beaucoup. Du coup, si c'est toi qui m'invoques... Ah, je peux en laisser. Tiens, je vais en laisser 10. Vas-y. Est-ce que ça marche? Oui, ça va juste apparaître par terre, je crois, non? Bah non. Tu le vois pas là? Je vois pas. Non. Ça, tu vois, quand on joue avec le mode seamless sur PC, bah ça, on le voit. Là, je le vois pas. Ouais. Ah, putain, ça dégoûte. C'est pour éviter, je pense, que tu te donnes des armes pétées ou des trucs comme ça, peut-être. Bah ouais, mais en soi, c'est pas grave. Ok. C'était par où? Attends, on n'avait pas continué par ici? Si, c'est par là qu'on est descendu. Ouais. Au-dessus, il y a les pots. Ah oui, en effet. Mais du coup, c'est pas ici, plutôt pour aller... Bah là, il faut qu'on redescende, là. Non. Non, okay, il faut qu'on aille au niveau du géant et tout, qu'on descende et ce sera à droite de mémoire. Attends, mais il y a une porte là, putain. Je comprends pourquoi je me suis épuisé sur le jeu, genre il y a trop de chemins possibles. Ah putain, bien vu. Hop. Toi, il y a quelqu'un qui a sauté là. Ouais, mais là c'était juste pour le faire. Pourquoi faire ? Ah, peut-être pour passer en face. Oh ! Je sais pas qu'est-ce que je fous là, mais... Bah là, normalement, on va pouvoir aller là où on est mort plus vite, non? Oula! Ah non, c'est pas par là. Ouais, c'est bon, ça se fait. Attends. Ah si, putain, ici, Attends, je crois qu'ici, j'avais farmé un chevalier, là. Eh oui! J'avais farmé sa gueule à lui, là. Ah oui, c'est vrai qu'il a la tenue trop bien, lui. Allez, ça dégage! Mais oui, je comprends mieux, il est trop stylé lui. J'avais sa cape, à un moment donné, j'aime trop son... Attends, je vais le noter. Lui, je l'avais fermé comme un porc. Parce que lui, je me souviens que je voulais de ouf son voile, tu sais. Et si tu veux, pour farmer, il faut que tu consommes des ailes, là. Enfin, des pattes de poulet. Pardon? Dans tes consommables, t'as des pattes de volaille. Non, c'est que t'as des pattes de volaille en saumure. Donc t'as l'argenté, la dorée. Et ça, du coup... Ouais. Non, attends. Voilà, c'est la. Ah, ça, c'est l'argenté. Pour l'argent, c'est les runes. Voilà, c'est l'argenté qu'il te faut parce que ça augmente temporairement la découverte d'objets. Donc, ça, t'as plus ça, de chances de drop des trucs. Ça, tu le craftes. Ok. Ok. Ça, il faut que j'en tu le craftes. J'en ai deux. Ben, je l'ai noté. De toute façon, je l'ai noté, je le farmerai de mon côté. Sinon, il faut que tu regardes s'il n'y a pas des objets, genre des amulettes qui augmentent le potentiel de découverte. Bah, je sais que moi, j'augmente du coup Dex, Vitalité et Ésotérisme pour le saignement. Bah c'est pas ésotérique, c'est pas ça qui t'augmente aussi ta découverte d'objets? Bah justement, je crois que ça fait les deux. Donc Parce que t'as, moi découverte par exemple je suis à 112 là de base. Oula. Pierre de forge. Oui. Demi tour. C'est pourquoi. Mais c'est vraiment ça, j'aimerais c'est vrai que c'est... à laisser passer. Le seul truc qui est un peu décevant c'est qu'il n'y a pas plus de zones comme celle-ci dans Elden Ring. Dis donc le château. En vrai, moi j'avoue que le château il me... Le château de Volorage, moi, il me stresse beaucoup, en fait. Genre, c'est vrai qu'il y a beaucoup vu que les chevaliers... Tu sais, les chevaliers qui font des tourbillons, machin, là, ils me stressent trop et j'ai du mal à les gérer. Moi, ça en fait, stresse. Ça fait que... plus la musique, là, genre, je suis en mode... J'ai envie de mourir. Non, j'adore ce, vraiment la zone d'exploration de donjon. Elle est incroyable. C'est ça qui me déçoit un peu, c'est qu'il n'y a pas plus de châteaux à explorer. Ah, mais non, on revient là. Bah, il faut retourner, en fait, il faut retourner à la cour principale. Ah bah non, je suis jamais venu ici. Par contre, les items qui te cachent la moitié de l'écran sans que tu valides, j'ai envie de hurler. Ah, il y a un item là, si jamais. Ouais. Eh, mais là, tu peux redescendre et retourner. Voilà, où qu'est-ce qui me frappe là? Ah, mais encore eux qui me jettent des cailloux pourris là. Mais ils sont tous les trois! Au secours! Il est pas tout seul. Hein. C'est pas un peu overkill quand même? Bah comme ça, c'est comme ça tout le monde est touché en même temps. Hop, moi j'ai tout pris. J'ai mon chat qui me regarde comme s'il était c'est blasé quoi. Pourquoi il brille de mille feux celui-là? Je sais pas.
Non, John Z. Ce que vous cherchez n'est sans doute pas loin. Bah attends, regarde, c'est ton double maléfique. Quoi? Mais non, c'est Roger. Ah, c'est Roger. Ah, Roger. C'est Roger le sorcier, non? Bah je suppose que c'est à droite. Lui, normalement, tu peux le, tu pourras l'appeler aussi. Et du coup, je l'ai vu à l'église, ouais, c'est bon. Du coup, je pense que vu que je l'ai vu à l'église, il va être à la table ronde, normalement. Ah oui, c'est vrai, putain, je me souviens de son mémoire. Histoire, lui. C'était un peu triste, d'ailleurs. Bah ouais, il finit mal, quoi. Enfin, quasiment comme tous les PNJ. Bah, il finit en arbre fossilisé de la mort, là. Bah ouais. Pourquoi je ne peux pas prendre cet objet? Putain, hé. Il teste. Oh, c'est beau ce qu'on voit de loin, what the fuck? C'est quoi déjà, ça? Quoi donc? Ça, c'est la zone de tuto, ça. C'est la première zone dans laquelle tu commences et où tu te fais niquer. C'est juste que j'ai jamais vu la statue d'aussi loin. Donc j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même une expérience de jouer en tant qu'invocation, c'est rigolo. Alors attends, bah, c'était, regarde. Bah attends, on est passé par la vraie porte. C'est ici, c'est par là, si on veut redescendre. Alors je vais juste ouvrir là, parce que je pense qu'on peut peut-être l'ouvrir de ce côté pour faire un raccourci. Bah regarde aussi. Bah à ce moment-là, va voir à quel feu on est le plus près. Ah bah on est là, ok. Bah faut qu'on aille à ce feu-là. C'est celui-là, c'est pour ça. C'est lequel, celui-là? Chambre voisine de l'ascenseur. Ok. Tout à fait. Bah voilà. Donc si on veut se faire aller, faut juste descendre par là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, parce que accessoirement, j'ai 12 000 runes qui dorment là. Bah attends, pas trop tard. Moi je suis tombé. Qu'est-ce qu'elle me veut, lui? Et du coup, Rosefield, ça vient de FF16? Tout à fait. Ok. C'est le nom de famille des héros. Je galérais à trouver un nom et je me suis dit, vas-y. Allez. Et du coup, c'est Rosefield pour eux et Lady, bah pour Lady. Mmh, je comprends. Alors, un petit souvenir. Bah ouais. Hop. Et du coup, quand tu connais pas, t'as juste l'impression que c'est genre Lady en mode monsieur, madame, tu vois. Monsieur, madame. Putain, j'ai cru que je me suis... Mais ça va, il y avait juste 10 mètres. Putain, j'ai Jonesy qui dort allongé sur le bureau, là, et qui me regarde. Je dirais qu'il va pas tarder à s'endormir. Ça me fait plaisir, Pepper. Attention, il y a les rats. Il y a les rats. Attention! Ils ont beaucoup trop de PV, hein, c'est abusé. Et encore, ils empoisonnent pas, parce que dans le premier, ces connards, ils empoisonnaient direct. Hein. Mais je... J'avais oublié... Oh non, elle a la tête... Ouais, dommage. Bon, c'est pas grave. Ah. Mais du coup, oui, un de ces quatre, j'achèterai Elden Ring sur PC et on se fera le jeu en seamless, ça pourrait être rigolo. Bah, j'ai testé avec une pote, bon, des fois ça lag, enfin... Bah, si t'as pas de chance, des fois t'as une session super laggy. Mais quand ça marche, genre c'est vraiment... eux, ils ont joué à beaucoup, elle disait c'est genre... comment dire... C'est le Seigneur des Anneaux, t'sais, avec tous les chevaux et tout. Ça va être trop marrant. Vas-y. Bon, par contre, évite de pousser ma bouteille d'eau, le chat. On va te niquer! Alors, eux, je les trouve très très beaux, mais. J'adore les fights. Quel enfer à. Je vais lui faire un max de dégâts de posture pour essayer de le faire flinch rapidement. Voilà. Bien joué. C'est normal qu'il a pas de barre de vie? Attends! Si, il est normal. C'est normal que c'est pas un boss? Alors, oui, que ce soit pas un boss, oui, c'est normal. Merde! Putain, ma barre de vie. Et je roule. La potion. Parce que là, on est arrivé à un moment où c'est déjà un mid-boss. Voilà, c'est bon, vas-y. Après toi. C'est bon, il est mid-life. On va faire le flinch une troisième fois, je pense. Faut que je spam le... Ok, c'est bon. Ah bah voilà. Oh, attends. Vas-y. Merde. Eu. Joli. Ah bah. On peut encore le faire flinch, je pense. Merde. Si je le touche pas, ça va être compliqué. Non. Je l'ai pas eu. Eh oh, je me soigne. Tiens bon. Fais gaffe, il est sur toi. Oh, bah là je... Non, je refuse. Vas-y, on y est presque. C'est bon. Il a fini. Bien joué. Allez. Retourne dans ton trou. Ça. Facile.
Ah, magnifique. Merci. Et bah voilà. Hop là. Moult runes. Ah, des dagues de lancer que je n'utiliserai jamais. En vrai, elles peuvent être utiles, les dagues, quand t'as besoin de trigger des ennemis pour les séparer. Non mais, moi je suis vraiment un esprit simple, hein. J'ai juste besoin de taper. Ouais, c'est très simple, mais quand t'as trois géants qui sont côte à côte, pour éviter de se taper les trois géants en même temps, t'envoies une petite dague sur l'un. C'est vrai. Trigger. Oh, regarde, il est là, c'est ça. Eh oui, il est là. C'est lui que je voulais voir. Bah, c'est le roi de la mort. Celui qui est la ruine de la mort. Celui qu'on voit avec. Comment elle s'appelle Bah, Fia, bah j'ai sa robe d'ailleurs. Le prince de la mort, c'est quoi déjà? J'ai la robe de Fia. Augmente la vitalité. Ça s'utilise où ça déjà? Ça, c'est une amulette. Excroissance du prince de la mort. C'est une amulette normalement. Ah oui, putain! Quand est-ce que j'ai débloqué un deuxième emplacement d'amulette? Toujours. Hop là. Allez, où les croix? Bah, elle doit être là, voilà. On raconte que cette pustule proviendrait du visage du prince de la mort, celui qu'on appelait autrefois Godwin. Premier des demi-dieux à avoir péri, il se murmure que sa dépouille reposerait loin sous la capitale, près des racines de l'arbre-monde. Ah oui! Regarde, avec la tache de sang, on dirait qu'il saigne du nez. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est genre ça, c'est pas sa dépouille du coup. C'est juste un truc qui reste là. C'est la peut-être vraie... sa seconde peau, comme ouais. Le serpent. Ouais. Parce que sa vraie dépouille, elle est ailleurs. C'est là où sa dépouille, elle est là où Yafia, elle est décédée. Et où tu vas taper l'autre dragon, là. Mais je l'ai peut-être déjà tapé, celui-là. Genre, j'avais fait la quête de Fia, j'avais fait la quête de Rani. En vrai, j'étais pas si loin de la fin, voilà, c'est juste que ça m'a... C'était cher. Ça m'a épuisé. Putain, ça va, c'est pas trop long. Un peu. un peu long quand même. Je vois les belles gambettes de Jean Pépé. Mais non, mais c'est Rani, ça c'est Ranette, c'est pas Jean Pépé, voyons. J'ai le cosplay. Bien sûr, bien sûr. Faut juste pas regarder son visage, quoi. C'est mollet vieux, cette fine moustache, c'est une invasion de l'esprit. Allô. Ah. C'est le pouvoir de l'entre-terre, c'est les illusions. Voilà. C'est le pouvoir de la moustache. Okay. Oula, oh! Je sais plus que c'était joli ici. Ah! C'est étonnamment propre. Il y a un passage là si tu veux. Ah, bah j'y regarde. Tiens. Ce serait pas. Bah si tu veux, là il y a un objet. Il y a deux secondes. Sauf si t'es déjà venu ici. Oui. Non, bah non. Il y a peut-être un raccourci par là. Ah, et là tu retombes dans les. Dans la salle de l'araignée là. Ok. Bon, on va aller dans le. Là. Ouais, je te suis. Surtout qu'il peut y avoir un boss, c'est peut-être. Ah non, je pense pas. Non, c'est pas une catacombe. Ou alors toi. Attention. Mais fils. Oh là là. Je l'ai pas touché. Bah alors on flinch. Toi t'as la chance que les gens flinch. Moi pas. Oh putain. Ah. Mais non, toi tu lui fais flinch aussi. Hein. Ça, oh, quand je saute. Mais pas quand je fais une attaque normale. Y'a pas un objet là en bas? Bah là... Non. Bah y'a un truc qui brille là, j'arrive pas à voir si c'est... Si c'est un objet en bas là, non? Ou c'est une torche? Moi je vois rien qui brille, hein. Bah, mais et je vais éviter de regarder trop près parce que je suis en train de... Ah bah lui par contre il brille lui. Lame d'affûtage. Ah ça sert à quoi ça déjà? Lame d'affûtage... Bah écoute, j'ai l'impression qu'on a fait quasiment tout dans le château, hein. C'est dans les objets clés. J'ai envie de te dire, en vrai, on peut faire Godric, hein. C'est pas... Bah, let's go, je te suis. Hein. À l'âme de fitage, je sais plus où. C'est juste que j'ai un très bon souvenir de la première fois que je l'ai fait. Vraiment, sa musique, je crois que c'est une de mes préférées du jeu. Ouais. Je trouve que c'est un boss qui est agréable à apprendre. Ah ouais? Genre, tu vois, c'est pas comme le premier. Bah, le premier, je trouve qu'il est un peu frustrant parce que des fois, il s'arrête jamais d'attaquer, tu vois. Ouais, le premier, alors ouais, que ça, lui, je trouve. Bon, on court. Je suis. Ah, faut juste faire gaffe aux grosses arbalètes là. Ah mais merde putain, ils viennent d'apparaître. Putain, je sais pas si c'était pas encore. Après on peut tenter de péter ça, regarde. Attends. Moi je me fuis. Mais tiens, attends, viens voir. Bah allez, frappe. Attends, bah. C'est-à-dire que je suis occupé. Genre. Mais il veut pas casser la pierre. Hey, c'est pas juste, je te lock pas, je te vois pas là. Juste qu'on arrive à ce qu'il fasse une grosse attaque là-dessus. Tape ici. Qu'est-ce qui nous frappe de dos là, le lâche? Et alors toi? Quoi, il m'a donné un coup de pied? Depuis quand?
Attends, faut qu'il fasse une attaque particulière pour le détruire. J'ai l'impression qu'il arrive pas. Ah non, putain, faut faire venir le géant. C'est le troll, c'est le géant. Eh putain. Oui. Bah, comme tu veux. Bon, est-ce que j'en ai vraiment envie? Sinon, direction boss. Hein. Attends, je suis parti du mauvais côté. Désolé, je cours sans me retourner. Oh, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je suis pas très loin derrière. Putain, il me lâche pas lui, hein. Au secours! Là, faut aller direct au boss. Bah, je pense. Tu peux me rejoindre? Ouais, ouais, je suis derrière toi, je suis derrière toi. Ah, du coup, t'auras la cinématique bon, aussi? Tu me fais défoncer avant la cinématique. Oh non! Moi, je ne dis rien, je te laisse profiter. Bon, t'inquiète, je la connais. Mais... Mighty Dragon. C'est sûr, ouais, je sais pas, je trouve que beaucoup d'efforts étaient mis dans sa musique, alors que c'est pas forcément. Ah, c'est quand même un des boss les plus importants. Bah, c'est quand même le boss de fin de tuto. Mais pour moi, le boss de fin de tuto, c'est celui d'avant, tu vois. Ah non, pour moi, c'est vraiment lui, parce que genre lui, je le trouve plus facile que l'autre, tu vois. Bref, tarnished. I command thee to me. Bon, j'avoue que la phase quand il a son bras dragon, elle est infernale, mais. Bear witness. Ah, qui veut se faire passer pour une dame. Ça, c'est marrant. Est-ce que t'as un perso féminin, je pense? Oui, peut-être. Oui, c'est genre, nous, c'est Dame d'Elden. Tu vois. Ah, putain, c'est trop cool. C'est cool qu'ils aient fait un effort sur la trappe. Bah, oh des fois, là. C'est pas toujours le cas, mais des fois, à l'oral, c'est... Au secours. Quoi? Mais non. Oh non. Bon je bah, je suis seul. Putain, j'ai pas eu le temps de traverser le brouillard. Ah non, c'est vrai qu'il fait ça, putain, j'ai vu. Bon bah, tu me tiens au courant. Hein. Bah, je vais sûrement mourir, donc... Oh putain, tellement dur. Bah, je suis morte, allez. Putain, c'est vrai qu'il fait les attaques volantes comme les chevaliers, ce petit con. C'était très drôle parce que, genre, j'ai juste entendu des bruits de coups derrière moi et... genre, vraiment... Quelle tristesse. Hop. Bah, je sais pas où est-ce que tu veux respawn, du coup. Alors, moi là. Je suis. Je suis toujours à côté de la petite statue là où tu m'as invoqué au début. En face de la cellule isolée. Ah oui. Donc attends, normalement là ce que j'ai à faire moi, parce que je suis en train de lire un tuto, ils disent que moi je dois utiliser la petite effigie dorée. Donc je vais utiliser la petite effigie dorée. Tout à fait. Donc, et moi je dois faire des remèdes à chaque fois que tu me connais. Non, pas forcément. Donc là, normalement, essaye. Voilà, la personne souhaitant recevoir de l'aide par ses amis doit s'assurer qu'elle a bien touché la statue permettant d'invoquer dans cette zone. C'est ce que j'ai fait. Elle se trouve au début du donjon, soit à côté de Grâce. S'il n'y en a pas, c'est que la coopération est. Une fois active, retouchez la statue pour pouvoir invoquer vos amis. Bah moi, je peux pas retoucher cette statue. Oh, je n'ai pas d'option, c'est très bizarre. Oui. Ah super, merci. Et là, tu me vois pas du tout, du coup. Non, parce que je te vois que quand je fais le remède. Alors attends, parce que là j'ai consignation de la marque coopérative dans le recueil. Là tu peux pas retoucher la statue? Non. Bah utilise un remède alors, I guess. Parce que visiblement il y a moyen de le faire qu'avec les statues, mais... Vas-y, on l'utilise. Tu me dis si tu me vois. Oui, je te vois. Ok. Putain, ça marche mieux que sur PC, le online, en vrai. Je suis étonné. Genre, nous, même en faisant ça, bah, des fois, sur PC, on se voyait pas, on mettait une heure à se rejoindre, genre, à voir la marque ça, c'est de l'autre mots de passe. Et tout. Non, on avait le même mot de passe. Ah. Bah, alors, c'est peut-être que on faisait... PC, là, ça me revient, on faisait tout comme on fait là, et... Peut-être une question de serveur. Peut-être sur PlayStation, c'est plus stable. Bah, je pense qu'il y a moins de... Aider Lady Rosefield à vaincre le boss de zone. Très bien. Et coucou Pollux, comment ça va? Hop là. Hello. Bon, j'ai mis le casque pour avoir un peu plus de défense, mais... Et ça m'embête un peu qu'on voit pas mon visage.
Bah écoute, ça va super, on a découvert le DLC tout à l'heure, et là on aide Bungie à faire Godric le greffé. I command thee to knee. Putain, j'aime bien, je te vois sauter absolument de partout. Ouais, j'avoue, je connais pas ses patterns, donc je panique roll un peu. Ouais, mais panique, moi je vais essayer de le faire flinch. Aïe. Attention. Ah oui, merde. Ah. Oh, j'avoue, la musique, elle déchire. Oh, bien joué. Ah bah, vu le... C'est ma musique préférée, là. Vu le build que j'ai, t'inquiète, il va flinch souvent. Essayer de faire un max d'attaque lourde. Bah, je vais peut-être prendre ça en vrai. J'avais pas souvenir que la musique était aussi folle. Peut-être parce que du coup, je prenais pas le temps d'écouter. Attention! Ah, l'enfoiré! C'est vrai qu'il a son putain, sa putain d'attaque en délai là. Ah, ça va, elle est pas trop delay en plus, hein. Genre vraiment. Heureusement que sa musique elle est bien. Hein. Ah, oh là, oh là, oh là, oh là! Attention! Ah bah là, je suis dead là. Ouais, non, tiens bon. Tiens! Tiens, meurs! Prends le temps. Oh, j'ai failli me suicider! Oh! Genre là, c'est pas si t'as vu, j'avais 2 PV. Yeah. Et il a plus de bras. Marathon Zelda avance bien, je suis au Carina of Time. Putain, GG! Et alors, comment il est? Ah, t'as passé la cinématique? Ouais, ce jeu. Je la connais trop, celle-ci, elle me saoule. Wow. Oh le bâtard! Bear witness! For Father and all! Bear witness! Aïe! Oh là là, la portée! Oh! J'entends tes cris, je me soigne! Que tu t'en prends dans la gueule depuis tout à l'heure. C'est bien, c'est que je crie dans le jeu et je crie IRL. Oh, ça va là, ça se passe bien. Franchement, on lui met une belle. Ah, putain, là, c'est pour courir! On lui met des belles baffes quand même. Bah là, j'ai plus de potions là, c'est fini. T'inquiète pas, t'as pas besoin. Ah, bon, ok, d'accord, peut-être. Oh, je me souviens plus du tout de ces attaques. C'est de le faire flinch. Aïe, ça a pas marché. Spoiler alert. Bien joué. Vas-y. For Father and all. Better witness. Oh merde. Fuck. Oh, j'étais à la limite, putain. Ouais, moi aussi, là, j'étais chaud. Bah, ça va, tu t'es pas fait toucher depuis tout à l'heure, c'est bien. Bah, parce qu'il me focus pas trop. NON. Fais diversion, fais diversion. C'est bon, bien joué. Aïe. Attention. Oh non. Putain. Je le défonce, je le défonce. Oh, ben, oh non, 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 demi-tour. Je le vois rouler partout. J'essaie d'aller dans son dos, mais... Oh non. Ah, il reste rien, là. On le tue. Le dernier coup. Oui, bien joué. Oui, allez. Putain, bien joué à toi. Facile. Moi, j'ai pas le cercle. Yeah. Merci, police, pour le GG. Attends, pourquoi la musique, elle continue, là? Ah oui, voilà, quand même. Non, non, t'inquiète. Ah, ça veut dire qu'on peut aller à la table ronde. Ah, un nouvel arc runique. Objectif accompli, retour dans votre monde. Eh bien, adieu. Oh non. Tu t'es évaporé devant moi. Adieu. J'ai un peu de mal avec le contrôle de Link qui fait un peu du n'importe quoi à certains moments, raison de mon rage quit à la dernière session. Ah bah ça, les vieux Zelda... peut te comprendre. C'est quel Zelda qui fait déjà? Ocarina of Time. Ah oui, mais tu fais la version remaster 3DS, ouais, sur DS, ou la vraie, ouais. Vraie version Sur 3DS. Ok. Bon, bah j'ai un deuxième Elden Ring DLC qui est arrivé. C'est le deuxième que j'avais commandé. Putain. Oh, tu vas pouvoir le revendre. Oh. Bah je vais laisser le cadeau d'anniversaire de mon frère, du coup. Mmh. Voilà. Je suis bon prince. Malin, malin. Sympa. Alors, ces cadeaux. Faire les sacré. Sympa ces cadeaux parce que t'as du stock.
Je lui ai demandé, je fais, écoute, tu préfères 20€ ou Elden Ring? Sachant qu'Elden Ring en vaut le double, bon, bah... ou le triple. Bah là ça va, c'était, en vu que je l'ai acheté en boîte, c'était 64. Donc c'est plutôt ok, sachant qu'il y a le DLC inclus dedans, je trouve ça fair. Non, je confirme, hein, je confirme, sachant qu'il a pas baissé de prix sur PC le jeu. Bah sachant que genre sur la boîte, quand je l'ai acheté, il était écrit 80€ en étiquette alors que je l'ai pas payé 80€. alors... Je monte juste de niveau et si tu veux je te réinvoque à... Ah bah ouais, vas-y. J'avais trouvé un TP à Lyurnia. Lyurnia, attends, c'est où ça déjà? Je te redis c'est quoi, je monte un peu de tout. Nécrolin. Hop là. Parce que du coup t'es pas encore... Bah là t'as fini le tuto donc tu vas pouvoir avancer et aller vers le reste. Je relève le casque, parce qu'il faut pas déconner. Bah, Lyurnia c'est là-bas du coup. Alors Lyurnia, je vais te dire le TP exact que j'avais des... Ouais, c'est le falaise surplombant le lac. Moi je vais y arriver tout doucement, donc si toi tu veux y aller à l'avance. Bah écoute, là je me TP là-bas, je vais voir s'il y a une zone d'invoque. Moi je profite de mon trône. Honteusement volé. Ah, je vois pas de statue d'invoque. Bah sinon tu me réinvoques là-bas normalement et je peux traverser avec toi. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas à cause de la zone. Il y a peut-être un décalage. Pas d'objet en vue. Très bien, merci. Hop. Alors attends, moi je sors du coup, parce que je crois que c'est la suite, comme tu dis. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai l'embrasement de l'arbre, donc c'est pas la même c'est pas la même ambiance. D'ailleurs, genre sans spoil, ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui te notifie où aller pour déclencher le DLC? Ou c'est juste tu dois aller chercher une soluce pour savoir où aller? Alors non, franchement c'est très simple, c'est un spoil mais pas vraiment, il faut juste que tu retournes devant là où était Mog, c'est la zone du boss de Mog. Ok, bah d'où le fait que ma pote elle m'avait dit que tu dois battre voilà. Mog tout et tourne, Radan. En fait, tout tourne autour de Mikaela, donc c'est là où Mikaela il est dans son espèce d'œuf là, et c'est là qu'il faut que t'ailles. Oui, je vois très bien, ok. Et franchement ça doit être le jeu From Software le plus simple d'accès pour aller au DLC. Bah justement, genre j'avais écho que de base les gens aient hurlé la mort pour trouver les ah bah les DLC. Celui de Dark Souls, si tu trouves pas si tu prends pas une solution, je pense que tu peux y passer beaucoup de temps. Celui du tout premier Dark Souls. Celui de Bloodborne, ça se fait sans. Même si ça peut être un peu pas forcément surprenant, mais il faut juste faire les liens entre des mécaniques de gameplay et une zone en particulier. Donc de mémoire sur le Bloodborne c'est un peu particulier. Pour les autres je sais pas, je sais pas fait. Mais je sais que le Dark Souls c'était le premier Dark Souls, si tu le sais pas c'est mort. Ok. Et là pour Elden Ring, alors, c'est juste voilà, faut juste savoir où aller et puis c'est bon. Alors t'es pas obligé d'avoir la statuette là, tu peux juste poser ta marque et normalement je la verrai. Alors je la pose ou à alors côté faut du... que je refasse un remède des doigts. Je la pose à côté du pas, un peu pôle, éloigné là. Du feu tu vois. Bah ouais, juste ouais. À côté dans les fougères là. Direction nord-ouest, c'est bon, j'ai posé. C'est Jean Pépé. Surtout qu'on voit pas Jean Pépé, il a pas son visage caché, du coup on sait pas qui c'est. C'est vrai. Il est incognito. Sorcier incognito. Ouais, je l'ai posé là, du coup je sais pas si tu la vois. Bah là je la vois pas, pourtant j'ai refait un remède. Est-ce qu'elle est trop près du site de grâce? Bah, je vais les mettre dans les cailloux là. Bah normalement c'est pas censé poser problème. Là je l'ai reposé du coup. Oh ça va faire comme sur PC, je le sens. Bah non je te vois pas. Oh là là. Rendez accessible votre jeu, s'il vous plaît. Ouais, non, là, je vois pas. En plus, tu peux pas le louper, normalement. Donc, Attends, je vais réessayer là, l'effigie et tu me diras si ça marche. Mais moi, j'ai pas d'effigie. Enfin... Ouais, mais c'est le même système. Ah, ok. Juste, je le fais et après, tu me dis... Parce que ça, visiblement, ça marchait tout à l'heure. Parce que si tu réessayes, là, ça marche. Bah il faut que j'annule le doigt je crois. Ah non, c'est juste j'en réutilise un.
Non, je te vois pas. C'est pénible. Si tu réessayes là. Je viens de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit pas loin d'ici? Parce que j'ai pas la map en plus, je peux même pas voir. La map elle est super loin. Là, je propose ma marque d'invocation là. Non, je te dis, c'est des fois c'est eux, ils buguent en fonction des lieux, des fois ils veulent pas. Ah, je te vois, putain, amen. T'as fait quoi de différent? Rien. Voilà, ouais, C'est super. ça le problème, c'est que des fois j'ai l'impression, je sais pas s'il faut que je fasse plus de choses ou moins de choses entre les deux objets, entre le doigt ou la statuette. Des fois c'est pas forcément très clair. Bah, ce truc-là, ouais, je comprends pourquoi. Enfin, des fois ça apparaît, des fois non. Là, par exemple, je t'ai invoqué, mais. Parce que je connais Ah, pas voilà. encore la différence entre le doigt et la statuette. Parce que le doigt permet de poser sur le sol, mais la statuette ça a l'air d'être n'importe où, mais sauf si t'as une autre statuette. Ou alors tu le fais et du coup ça marche dans n'importe quelle statuette dans le monde, peut-être. Ok. Hop. Voilà, j'ai pas la map. Genre, la map, elle est. Bah, Voilà si on déjà t'as peut. un En truc t'as un dirigeant vers truc la map, là. on peut explorer, ouais, genre. Ah mais du coup tu l'avais pas ça toi. Du coup c'est peut-être un truc de DLC ça. Le champ de De force de quoi? Tops. Bah là en fait en revenant ici il y avait une cendre de guerre. J'ai pas vu. Justement, c'est peut-être un truc de DLC. Ah, bah si, regarde, il y a le mec. Oh, lui, c'est trop Champ de force triste de Tops, vendu aussi. ses boucliers pour faire apparaître un champ de force capable de renvoyer les sorcelleries et les invocations. Il peut s'utiliser de la même façon qu'une parade ordinaire. Tiens, allez, prends dire une, mon gars. Alors, c'est peut-être en revenant en endgame. Putain, mais la. Peut-être. L'arme claire de lune en invocation avec ce petit côté orange là, qu'est-ce que c'est beau! Ah, bah cette zone, franchement, c'est une de mes préférées. Moi, ce que je dis, la seule zone qui m'a déçu au final, c'est la zone de glace que je trouve au Ouais. final Bah, justement, assez basique. on en parlait tout à l'heure avec Théo, et en fait, un truc que je trouve qui percute avec la cime des gens, c'est qu'en fait, il n'y a rien, c'est vide. La majeure partie de la zone est vide. Donc, t'as pas ce Bah, c'est côté très répétitif, tu micro-récompense, ouais, vois. micro-récompense des zones que tu pouvais avoir avant, et du coup, ça te saute un peu plus aux yeux cette sensation de vide. T'es parti où? Je suis allé me faire des squelettes là. Oh putain, comme ils font mal! Je te vois même pas sur la map. Faut regarder sur Je la peux même pas boussole. utiliser ma map. Faut regarder sur la boussole, je suis direction ouest. Et ils sont Ah. ultra vénères les squelettes en fait. Run away, j'ai rien dit. Faut pas y aller. Je me fais rouler dessus par les squelettes, c'est un C'est truc de parce que dingue. je pense que c'est parce qu'il faut y aller à cheval ici. Bah, sans déconner quoi. Ça dingue comme Pourquoi ils il y a une font mal. musique terrifiante alors qu'il n'y a rien? À mon avis, c'est parce que je suis contre un Parce que c'est. squelette. Attends, mais t'es parti où? Mais. Je suis redescendu trop loin? Ah non, je suis en hauteur, je suis pas en bas. Oh putain! J'ai vu une vie très basse, c'était la tienne. Oui. Ah mais Non, ne meurs pas! c'est bon, je vais finir en backstab. Oh, je t'ai mort. Saloperie. Oh putain! Ah, j'ai mangé mes morts. Hein. Je reviens de voir. Hop, je suis là. On n'est pas obligé d'aller par là. Hein. Ah. C'est comme tu veux. Hein. C'est Il y juste avait... que T'façon, là, il y avait rien par là. Si, il y a du loot. j'ai l'impression d'avoir combattu un boss. Tellement les Bah, je pense que t'es pas squelettes le seul, étaient. regarde toutes les taches, genre. Ah, mais un squelette était énervé. Hein. Il y a un petit truc là-bas. Ouais, y a pas qu'un petit truc là-bas. Bonjour. Vas-y, pars devant. Oh non, pas eux. Aïe! Oh, mais comment ça se fait que tu lui tues aussi vite? Parce que j'ai fait le truc de sang. Mais ça faut que je fasse gaffe parce que genre ça me prend des PV quand je l'utilise. C'est la cendre de guerre sanglante là.
C'est cool, après, si jamais tu cumules avec une amulette qui permet de regagner des PV progressivement... Tu vois le trait bleu que j'ai mis? Non. Ok, ben, fais-moi confiance, c'est la map. Je vois pas sur la carte non plus. Non mais t'inquiète, je te suis, de toute façon. Bah c'est pour avoir la carte de la zone, quoi. Oh, je pense que c'est plutôt let's pas go. Ah, putain, le cheval me manque. On peut pas utiliser le cheval. Sauf dans le mode seamless. Bon, des fois ça bug un peu et tu vois juste ton acolyte. Là il y a un petit chemin pour se descendre plus vite. Téléporter dans les airs. Hop. Bah, j'imagine parce que le jeu est pas fait pour supporter autant de choses à la fois. Je te suis, Jean-Pépé. T'as, tu cours comme si t'étais pour Narnia, quoi. Ma vie en dépendait. Mais je suis passé en charge légère, du coup ça me perturbe. Ça me perturbe d'être aussi rapide. Ça, c'est vrai. Bon, je pourrais pas jouer en charge lourde, c'est pas possible. Ah ouais, en charge lourde. Bonjour, est-ce que je peux avoir votre armure? Non. Je veux votre armure, s'il vous plaît. Ah! Putain, il m'a ignoré pour le marteau. Oh là là, oh là là! Je suis obligé de mettre une dizaine de coups pour le tuer, c'est magnifique. Ah! Il y avait du loot. Non, pas moi. Moi, j'en ai pas eu. Oh, c'était juste des vieux carreaux. Là, il devait avoir quelques trucs là. Oh! Aïe! Il est là! Oh, l'unique sa mère! Ah, là, il y a du loot! Une pierre de forge. Let's go! Let's go! Allez! Ah, bah, elle est là-bas! J'aime trop cette zone-là, genre. Les petites fleurs, genre bleu électrique, là. C'est un petit détail à la con, mais je trouve que ça ajoute, genre. Le lac de l'Irma. Le lac, c'est pas la base, normalement. Ah, bah, si, mais ça reste quand même une très belle zone. Attends, il y a des trucs qui brillent à gauche là. Ouais, je vois. Ouais. Oh bah, il y a un feu. Mais oui, il y a le mec avec ses crevettes aussi. Ses crevettes bouillies. C'est une histoire terrible avec le Dung Eater. Oh putain, mais oui. Dung Eater. Je l'avais fait sa quête, il me vraiment son combat, il me terrorisait, genre. Je crois pas l'avoir combattu. Alors que c'est même pas un combat de boss. Ah si, j'ai dû combattre une de ces espèces d'invoques, mais pas lui en lui-même. I gave my love. Putain, quand t'achètes un truc, t'as plus le comparatif avec le tien, enfin ton équipement, c'est nul. Parce que là j'ai pas envie d'acheter cette tenue si elle est plus nulle que ce que j'ai. Not for honor, but for you. Do, do, do. Bon, tant pis, j'achète les... Bah j'achète juste les pierres de forge. Bah okay. Là on a plus de vie, Jean-Pépé. On est mid-life. Ah oui, putain la vache. C'est encore les autres connards là. Putain de squelette de merde. Oh qu'est-ce que c'est beau. Oh non, pas lui. Ah non, c'est bon, putain j'ai non, peur. C'est j'ai pas cru eux, que c'était mais autre oui, chose. Y en a un dans le coin. Ah. Ils ont le même cri. Putain. Ah, on a gagné des fioles. Bah, je crois que si on reste sur le chemin, on les voit pas. C'est merde. Là, la map. Oh, le bruit. Il a pas trouvé d'en avoir deux d'un coup. Il a grésillé, genre. Attends, j'enlève le point. Ah, y'a un cavalier funéraire plus loin là. Oh, mais oui, vas-y, on le tue. Ok. Il est où? Ah non, je crois que j'ai confondu. Non, on par contre, s'il y a un boss où je voudrais bien que tu m'appelles, c'est le cerf. Ah oui. Le cerf spectral. Alors lui, c'est un de mes boss préférés. Qu'est-ce qu'il est bien.
La musique, l'ambiance, tout déchire avec ce boss. Putain de clochette de merde là. Il TP pas le là l'araignée chelou. Je sais pas s'il y en a pas plus dur. Oh, cet alliage de force c'est... et de dextérité. Attends, il y a un truc au milieu. Ah bah oui, c'est ça. Ah merde, par contre, je crois que j'ai trigger le. C'est pas grave, lui, on peut le faire, vas-y. Faudrait qu'il arrête de bouger en vrai. Oh, quel connard! Il flinche! Allez! Mais il n'existe pas en fait. Il est beau mais il est nul hein. Il pue la merde. Ah tu n'as pas pu venir ma collègue. Avec son c'est vraiment katana. Genre, tu les attires et moi je les ai par derrière quoi. Ah ça serait pas ça. Range tes sales pattes dégueulasses. Bien. Je suis pas le seul à trembler comme s'il y a un truc qui t'est arrivé. Non, c'était que moi. Ok. C'était que moi. T'as un site de grâce là-bas si tu veux. Attends, j'arrive. Oh, t'as pas besoin d'aide. Ah, ils ont derrière. Très bien. C'est bon à savoir. J'avoue, ton armure là, elle rend bien. Hein. Il y a un beau style. Hein. Merci. Bah. Au moins, c'est mieux que le la tenue samouraï nulle. C'est vrai. C'est juste que vu qu'il y a... Enfin, comment dire le tous les casques, ils cassent, ils cachent les cheveux, genre c'est nul. Bon, surtout qu'il y a plutôt... Enfin bon, la physique est pas non plus transcendante, mais... merde, attends, il est où le site de grâce? Bah, surtout que visuellement, genre bon... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le site de grâce, là, en face, à l'est. Ah oui, putain, ouais. Je te laisse y aller, j'ai vu qu'il y en avait un en hauteur, je vais péter la gueule. Mais c'est surtout cette moustache, elle est vraiment fantastique. Une des plus belles moustaches du jeu vidéo. Ils savent faire des moustaches chez From Software. Comme chez Capcom. Celle de Dragon's Dogma. Et il y a une private party ici là. Ah, attends, j'arrive. Ah mais non mais c'est toi, d'accord, t'es là. Ah, tu veux te faire les vieux anus cracheurs de poison? Ça fait de l'XP gratuit. Oh, je peux pas savoir où t'as mis cette épée. Hein. Non! Oh non! Il y a quelqu'un d'autre, vas-y! Il est où? On lui défonce! Il est où? De toute façon, c'est lui qui risque de nous trouver avant, je pense. Fuis! Viens, va. Attends, t'es où? Ouais, t'es par là. À ta gauche. Ah bah y'a un autre cavalier. Ah bah allez, il est parti. Ah y'a encore un autre Pekno là. Pourquoi t'es venu si jamais c'était pour te barrer? Ouf. Oh wow, par contre il m'a fait mal. Mais il t'a un peu roulé dessus. Hein. J'ai raté. Allez, merci d'être passé. Putain, je lui gagne 80 runes. Ah, ça nous a redonné une... Ah. Ça va farmer sec, hein. Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est beau? J'avoue, c'est trop beau. Le jeu a pas pris une ride. Oula. Oh, ça va, les hommes bêtes, là. Ah, y'a un chien. Tiens. Le joli chien. Il y a un gros en haut. Ah là là, putain l'académie, ah. Qu'est-ce qu'elle est bien. Ta gueule. Oh les moustiques par contre, ils me trigger. Ah ouais, non mais vas-y. Pas lui, je veux... Non mais cible E là. Non mais...
Ça va passer leur garde au bout d'un moment. Putain, ils ont du délai eux aussi. Non mais l'autre mais il non, a... j'ai bu une potion pour rien, putain. On verra qui sera le plus patient. Saloperie. Bon, on a récupéré une potion, mais j'en ai gaspillé une, ça me fait chier. Il a pris des billes de merde. Là encore. Ah, tentacule. Ah, parfait. Oh, lui, on peut le défoncer, lui. Il est où? Juste en face. Ah oui. On s'occupe des petits d'abord, on focus le gros. On peut focus le gros, de toute façon les petits sont sur le chemin donc. Il fait tellement rien. Vas-y, vas-y. Bon, vas-y par devant. Hop là. Bon, ça va être long. Hein. Allez. Vas-y, je te laisse cette fois. Yep. Chacun son tour. Je crois qu'il est mort. Tu veux escalader le truc là? Je trouve qu'il y a un site de grâce au milieu là. J'ai pas vu. Au milieu de là où on va monter? Ouais, en haut. Enfin, en haut quoi. Ok. T'es, il est bien caché lui. Ah, il y a un. Il y a un arbre là-bas. Un arbre à esprit. Oh! Ah, il peut nous mettre dans une grotte, je crois, ça, non? Ouais. Faut le suivre. Tout à fait. Hop. Allez. Putain, je suis vraiment obligé de ramasser toutes les fleurs de la con, là. Oh bah, t'inquiète, je fais pareil. Je suis dans DLC, je ramasse vraiment, quand même les merdes pour le début. C'est obligatoire. J'ai 10 000 fleurs que je vais jamais utiliser. Allez, suivons l'autre Jean-Pépé. J'entends des gling-gling. Il est où? Oh, les gling-gling viennent de lui. Ah. Oh, ce ciel! Oh, j'avoue. Oh, église. Oh, là, attends, je trouve que je prends un screenshot, c'est pas possible. T'inquiète, tu as le droit d'être sur le screenshot. Tu t'es écarté comme quelqu'un en vacances qui s'éloigne d'un selfie de quelqu'un. Je vais pas passer. Prends la photo. Putain, en plus, il fait bien exprès de faire. Ah, y a un objet. Des chemins de merde. Ouais, il prend son temps, hein. Putain. Je sais même plus vers quoi il amène, quoi. Souvent, il amène vers des grottes ou des objets. Il ramène pas, lui, genre des objets importants. De la skiar, parce que sinon, il y a un télescope pas loin. Ah, peut-être. En général, il aime bien te faire passer aussi là où il y a des mobs horribles. Je crois savoir où il nous amène. Je veux rien dire. Putain, y a des objets à droite là, mais je veux pas le quitter des yeux. Oh, vas-y, je le suis. Hein. Vas-y. C'est juste que, ouais, on n'est pas encore arrivé. Hein. Mais regarde, on est repassé là où on a tué tous les hommes bêtes. Oui, mais tu vois, t'imagines, on est passé devant une grotte. Aïe aïe aïe. On dirait vraiment genre il fait le guide touristique. Et sur votre gauche, vous avez les hommes-bêtes. Oh putain. Et une grosse tortue. Oh la grosse tortue. Ah. Hey. Des fleurs. Il va nous amener un dragon le con. Putain.
Par contre, je sais pas si moi je vais pouvoir rentrer. Je crois qu'en fait, il faut que tu refasses une marque à l'intérieur. Ouais, c'est ce que je crois qu'il faudra que tu fasses. Ah, putain de cristaux de merde. Bon, bah, on devine où est-ce qu'il nous amène. Essaye quand même, mais je crois que toi. Puissance de Rani. Ouais, regarde, tu vois. T'as c'était ici, ouais, c'est. Bah, écoute, vas-y, je te laisse partir. Je suis bloqué. Bah, je crois que c'est à toi d'utiliser un. Un briseur de dos. Ah non, c'est bon. Ya, tu es cassé. Je rentre chez moi. Allez, je te réinvoque près du feu. Bah, vas-y. Là, c'est la grotte cristalline du lac, donc. Oh, petit père, t'as bien dormi? Là, il est posé sur son petit coussin à côté du bureau. Il est bien. Ah bah là, t'as une figurine. Là, t'as une effigie. Alors, s'il y a une figurine, j'arrive. Il y a un recueil d'invocations. Voilà. C'est une figurine de Mog. Tout à fait. Mais alors, j'ai toujours pas compris qui fait ce que. Attends, je vais appuyer là-dessus. Voilà, ce recueil d'invocations est un poseur opérationnel. Ok. Donc, ensuite, si je fais juste ça, est-ce que ça marche? Voilà. Vas-y. Normalement, de mon côté, c'est bon. Ah bah, je te vois. Hop là. T'as fait quoi de ton côté? Bah, rien. C'est tellement pas clair. C'est. Des fois, il faut mettre 5 remèdes de doigts, faut tremper ton doigt 5 fois, et des fois, y'a rien du tout, quoi. Genre. Je suis là. Vous m'avez invoqué. Quelle est votre question? J'aurais peut-être dû me soigner au feu avant de t'appeler. Oui, ça aurait été une bonne idée. Ah mais je vois très bien où on va être. Putain. Je crois que si on veut le boss, si on veut le boss en accéléré, c'est ici, mais on peut explorer un peu avant. Bah, je te suis, mais. Bah autant explorer. Je suis d'accord. Oula oula. Oh, ils sont tous rouges. Pourquoi ils ont les yeux rouges, hein? Parce qu'ils sont un peu plus énervés, mais ils donnent plus de runes du coup. Ah, il y a un objet là en haut si jamais. Alors là, l'objet c'est le cadet de mes soucis. Brûle! Putain! Je suis le porteur de la lumière! Rani sera votre sauveuse. Ça en haut. En escaladant là. Hop, ici. T'avais oublié un monstre? Oui, c'est possible. Où est-ce qu'il est? Mais là, c'est par la droite. Ah oui. Tout à fait. Des os de bêtes. Ah yes. C'est vraiment bah écoute, on peut aller là. Vas-y, vas-y. Je suis derrière toi. Avec parfait. Ma torche. Je vais te guider. Ouh, la grosse bébête. Bah alors, ça flinche? Oui. Putain, mais j'arrive pas à la toucher. Ah merde! Il m'aggrave! Saloperie de petite merde. Qu'est-ce que je ferais pas sans ramasser la mousse des cavernes, putain. Oh putain, des lucioles! Il est vide. Let's go! Ah non, d'accord, oui, putain. Talisman de lance. Je vais dire, il est vide, mais en fait, allez. C'est vide parce que moi je l'ai déjà pris. Ah oui. Bah, du coup, on peut descendre? Ouais, on peut faire demi-tour. C'est par là, non? Alors, de mémoire. Oui, c'est ici. Saute par là. Hop. Ah, oui, d'accord. Moi, j'aime vivre dangereusement. Hop là. Hop. Alors, je crois que c'est encore. Ouais, c'est plutôt par là. Par où, là? Je sais pas. Non, c'est à droite. Ouais, c'est là. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, c'est vrai que les hauteurs de chute, elles sont aléatoires dans le jeu, j'ai oublié. Non, mais. Non, c'est par ici. À droite. Ce serait marrant qu'on tombe au même endroit que je te pousse. Oh! Oui! Je les trouve trop mignons, eux. Leur design, il est trop mignon. Les serpents escargots, c'est un délire. Et oh!
pas des objets cachés ici? Ah, il y a par ici. Quoi, je dors? Alors là, putain, ça me trouve le cul, parce que vraiment, j'aurais pensé à un mur invisible ici. Que tu crois? Mais il y en a tellement au début du jeu, je trouve. Pas tant que ça, je me souviens qu'au début du jeu, j'en cherchais, j'en trouvais pas. Parce que j'étais juste en mode, bon, bah, ça va, en fait, sont, dans les grottes, cool. Y a beaucoup d'endroits comme ça, où genre t'as un cul-de-sac bizarre, ouais. Et... Donnez votre argent! Je crois qu'on arrive bientôt au boss. Parce qu'il est tout en bas. Ah, faut sauter là. Famous Last Word. Non, c'est bon. C'est bon, c'est safe. C'est bon, c'est safe. Attends, il y avait un truc là. Ok, c'est parti. Alors attends. Il est pas là? C'est après, hein. C'est pas ici. Ah bah non, c'est ici! Si, si, putain! C'est ah mais où c'est lui? T'avais pas de brouillard, toi? Non. Oh, il va être, à mon avis, il va être violent, lui. Fils. Ah là. Ah, il flinche, mais pas à chaque fois, hein, le petit connard. Oh, il se tépait surtout. Ouais. Mais oh. J'ai oublié à quel point il agressait. Mais putain, il va trop vite! J'ai même pas le temps de faire mon... Tu te tais! Connard. Vas-y, j'ai l'aggro. Putain, connard. J'ai pas la portée, c'est fou ça. Alors, content que t'as un katana. Hein. Qui est quand même assez grand, je veux dire. Je pourrais avoir le katana de Devil May Cry, genre quand même. Ou le katana de Malenia, tu vois, qui fait 10 km. Ah ouais, c'est pas un katana, c'est une prothèse. Je fais que me soigner par contre, putain. Il me met deux coups, je suis mid-life. Oh merde, j'étais con là. Ah mais le recovery, il a pas le temps quoi. J'arrive pas à le faire flinch. Putain, par contre, il change de cible de manière... Ouais. Seamless. C'est... Ouais, il reste pas grand chose en vrai. Allez, meurs là. Joli. C'est bon, bien joué. Facile. Car nous ne faisons qu'un. En vrai, c'est cool, ça permet de farm les arcs runiques. Ah, bah je me casse. Non, reviens. Bon travail ici est désormais terminé. Terminé. Bon, ça tombe bien en vrai, parce que je pensais arrêter là. Nickel. J'aime bah, pas attends, manger moi, je pour sors pas par... me coucher trop tard. Parce que je pense refaire ah bah, en plus, un peu. Y a... hey ouais. Je vois très bien où c'est. Ah oh, non, c'est avec le loup mort. Oui, il y a le loup. Comme ça, je referai un peu de DLC bah, ce écoute, soir avant d'aller me coucher. Tu as bien raison. Hop. Le dernier refuge du loup. Oh. Et ouais. Et du coup, il y a que lui. Non. Tu vois, j'aurais bien aimé avoir genre ouais une invoque de loup vénère, tu vois. Je suis d'accord. Comme le loup, comme le boss loup qu'on a à un moment donné, tu sais, le loup orange là. Ouais, je vois bien. Parce que vu que t'as le faucon des tempêtes, je vois pas pourquoi on n'a pas un équivalent. Le loup des tempêtes. Peut-être dans le DLC. Ouais, peut-être. Je ne dirai rien. Hop. Allez, des bisous YouTube, prends soin de toi et à bientôt.